Donc il doit rester là où il est, mais ça m'évitera de devoir penser par la suite à les renvoyer. C'est bon, ça bouge pas. Donc alors hop, donc et ben du coup oui j'ai continué à les prendre même si du coup j'accumule un petit peu de retard. Ce serait quand même pas super malin de pas profiter d'avoir de l'argent. Est-ce que je peux rembourser un emprunt? Ce sera déjà ça de prix, oui. Donc du coup plus que 4 emprunts qui se termine dans 3 ans. Ça va, je vais avoir le temps de les rembourser, surtout avec... Oui, je vais dire, attends, j'ai pas de vassaux, mais en effet, je regardais pas du bon côté, je regardais le pourcentage qui est appliqué et non pas les revenus. Oups. Ah mince, je peux... Oui, c'est bon. Je pensais, j'ai eu peur, je croyais que je pouvais pas aller plus loin. Ça m'aurait un peu embêté. Donc voilà. J'ai trois écrans devant moi, ça fait c'est assez bizarre. Entre la tablette dans avec laquelle je suis le live de Jax, moi je suis. Je l'utilise comme radio. L'ordinateur avec lequel je joue. Et puis mon téléphone avec lequel je regarde le chat. Qui me permet de discuter avec Hare Krishna. Merde, l'enfoiré a créé les hommes. Voilà, donc alors lui, il est mouru. Non, 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 non. Voilà. Bon, normalement, ça devrait plutôt bien se passer. Et en effet, comme tu disais tout à l'heure, la guerre devrait être bon. Surtout plus que là, j'ai mon score de guerre qui peut encore augmenter de 24. Donc là, il est dead, dead, dead. Oula, lui, j'ai pas du tout vu venir. Mais bon, c'est pas grave. 6 mars, ouais, super. Donc, tu restes là. Tu restes là. Pas bouger. Donc lui il a 2, 1, 2. Et moi je suis à 3, 3, 1. Oui, donc j'ai quand même largement un meilleur général. Et ce pays-là, Texas aussi, ouais. Il va falloir que je fasse un gros effort pour récupérer mon retard technologique. Donc lui j'espère que je vais pouvoir le renvoyer très loin chez lui. Jusque là, ce serait parfait.
Ouais, pour le collinateur, je suis d'accord avec toi, mais ce qui me fait un peu peur, bon, de toute façon, t'as raison. Ce qui me faisait peur un peu, c'était le soulèvement des indigènes. Ça m'a un peu embêté de les voir remonter. Et par contre, pour le marchand, j'ai pas d'endroit où l'envoyer, en fait, parce que j'ai pas assez de portée commerciale. C'est-à-dire que là, il a 640, je suis à 230, et lui, il a 343, et je suis à 220. 230, pardon. Et ben, c'est un peu. Pour le moment, c'est mort, quoi. Donc il faudra que j'attende un petit peu. Mais je pense qu'en récupérant une ou deux provinces, je devrais quand même réussir à. Je devrais y arriver. T'inquiète pas, y a pas de soucis. Mais en effet, pour la colonie, en plus, j'ai suffisamment de. Je fais encore un petit peu de. Un petit peu de bénéfices. Donc je vais le faire. Et puis de toute façon, après, je vais demander des réparations de guerre. Je vais demander une ou deux provinces. Je pense que je vais demander une en plus de mon objectif de guerre. Et comme ça, j'aurai pour après l'envoyer le marchand. Mais par contre, je me pose une question parce que là, je suis une province. Comment dire, je suis une nation africaine. Du coup, normalement, je vais pas réussir à pouvoir faire de compagnie commerciale en Afrique. Je trouve ça assez. Là, je pense que je vais apprendre des trucs sur les mécaniques de jeu. C'est assez rigolo, je pense. Et bah, si on joue sur Cosaque, j'ai défini ma. Comment dire. Ma politique indigène. Coexistence. Donc, risque de soulèvement au moins 100%. Je sais pas si du coup ça divise par deux au final, ou si c'est un. Comment dire. Entre guillemets, un vrai moins 100%, ou. Ça retire tout risque de soulèvement. Parce que si ça retire tout risque de soulèvement, bah pour moi c'est génial, quoi. Mais je suis pas totalement convaincu. Ah, ça pourra jamais? Ah bon, bah génial. Dans ce cas-là, j'aurais pu le faire depuis longtemps. Oula! Ouh là là, il vient m'attaquer avec 8000 âmes, j'aime pas trop trop ça. Merde. J'espère que je vais pas faire des jets de dés trop pourris, parce que là, sinon ça va très très mal se passer. Ouais, la paix, je viens la faire, le problème c'est qu'il veut pas. Donc ça pue un peu. Ah, c'est bon, je suis en train de la gagner. Si je la gagne, c'est bon. Ah merde, comment ça se fait que j'ai perdu? Donc en effet, je vais faire la paix. Non mais attends, mais l'autre team 2. Non mais. Enfin, je suis désolé, mais je peux pas faire la paix, quoi. Du coup, je vais partir à fond sur les mercenaires parce que.
Ouais, non, il veut vraiment des provinces, quoi. Attends, je vais demander. Accès militaire. Ah merde, je vais pas pouvoir. Ah putain. Ah, pourquoi est-ce que ça a baissé comme ça? Il se pointe quand même avec 10 000 hommes, enfoiré, quoi. Et toi, éventuellement, si je te propose la paix. Non, j'ai mis mon général 2 étoiles qui a 3-3 et lui il a 1-2-2. Si jamais ça marche pas cette bataille-là, ben, je pense que je vais lui céder à cette province-là. Ça m'emmerderait beaucoup, 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 mais bon. Pour le moment, on se tient. On se tient toujours. Ça, c'est un très très bon jeu, un très très bon jet. Ça va, je suis toujours à plus, je suis toujours à un peu plus que lui. Ça va. Là, par contre, il faut absolument pas que je fasse un mauvais lancer, il faut un très bon lancer. Ouais, ça c'est très bien.